Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule l'accueillit et s'assembla autour de lui, car tous l'attendaient. Il était au bord du lac. Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr. C'était le chef de la synagogue. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et se prosterna devant lui. Maître, je te supplie de venir dans ma maison, car j'ai une fille unique de 12 ans qui est en train de mourir. Ma petite est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples et une foule si nombreuse qu'elle le pressait à l'étouffer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et que personne n'avait pu guérir, s'approcha. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant même, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Maître, tu vois bien la foule qui t'écrase de tous côtés. Et tu demandes qui t'a touché ?»« Quelqu'un m'a touché, car je me suis rendu compte qu'une force est sortie de moi. » Regardant tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste, Jésus vit la femme. Celle-ci, se voyant découverte, vint, craintive et toute tremblante, se jeter à ses pieds. Sachant ce qui lui était arrivé, elle lui dit toute la vérité, racontant devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. « Seigneur, je suis malade depuis 12 ans, et j'ai cru que si je pouvais seulement toucher ton vêtement, je serais libérée de mon mal. Et dès que je t'ai touchée, à l'instant même, je me suis sentie guérie. » « Confiance, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, quelqu'un arriva de la maison de Jaïr. « Jaïr, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Jésus, arrivé à la maison du chef, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, des gens qui poussent de grands cris, pleurent la mort de la jeune fille en se frappant la poitrine, entra et ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. « Pourquoi cette agitation ? Ne pleurez pas, l'enfant n'est pas morte. Elle dort. » Quoi? L'enfant n'est pas morte? Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Mais on se moquait de lui, en voyant qu'elle venait de mourir. Retirez-vous. Alors, il mit tout le monde dehors, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnaient. Puis, pénétrant là où reposait la jeune fille, il saisit la main de l'enfant. Talitha koum, jeune fille, je te le dis, lève-toi. L'esprit lui revint. À l'instant même, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans.
Donnez-lui à manger. Ah, mon enfant! Elle est vivante! Ses parents en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance. Ne dites à personne ce qui est arrivé. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays.